France. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. En ouverture de mon intervention, je voudrais remercier à la fois l'Institut français du Japon, la maison franco-japonaise pour cet accueil et pour, ainsi que nos traducteurs qui ont une tâche toujours difficile. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à faire un travail que je voulais faire depuis longtemps et qui est un travail impossible. Il faut toujours remercier l'impossible, c'est très important. Travail impossible qui consiste à décrire ou à cartographier, à faire la carte des sciences humaines et sociales françaises contemporaines. Je dis que c'est un travail impossible pour deux raisons. La première, c'est parce que les travaux sont très nombreux, très divers, qu'il est toujours plus difficile de faire le tableau du présent que de faire le tableau du passé, parce que le temps a passé, il est plus facile de repérer quels sont les chercheurs importants, les travaux ou les courants essentiels que dans le présent. Première raison d'impossibilité, première raison pour laquelle le travail qui m'a été demandé est impossible. Et la deuxième raison, c'est qu'elle tient précisément au poids du passé et à l'importance de l'image que conserve en France et dans le monde l'âge d'or des sciences sociales françaises, ce moment passé qui nous est encore assez présent et qui n'est plus tout à fait le nôtre, où les sciences sociales françaises ont rayonné à travers de quelques noms fameux. Je voudrais peut-être commencer par là, c'est pour ça que j'ai commencé par ces deux photos de Jacques Derrida. Jacques Derrida évoquant dans un film son intérêt pour les fantômes. On peut partir d'une anecdote, si vous voulez. Voici quelques semaines, lors d'une réunion à Paris, j'échangeais avec des directrices et des directeurs d'instituts français de recherche à l'étranger et avec des chercheurs invités dans ces instituts. Et puis, échangeant avec un chercheur qui travaillait dans le monde arabe, au Moyen-Orient, je ne citerai ni le nom ni le pays, j'évoque avec lui le projet que j'avais depuis quelque temps de proposer des séminaires autour de grandes figures de l'histoire de la philosophie française, comme Michel Foucault, comme Louis Althusser, comme Jacques Derrida, de le faire dans ce pays où il enseignait. Et à ce moment-là, il m'interrompt et il me dit « Ce serait formidable, est-ce que vous pensez que Jacques Derrida pourrait être présent ?» J'étais très embarrassé. Je ne voulais pas l'embarrasser en lui rappelant que Jacques Derrida était mort depuis 14 ans. Mais j'ai trouvé cette erreur, cette inattention, peut-être prêtait-il une attention distraite à ce que je lui disais, j'ai trouvé cette erreur assez significative. Assez significative parce que, au fond, la philosophie et les sciences sociales du dernier quart du XXe siècle ont tellement marqué la pensée contemporaine, sa réception française et sa réception internationale, que ces grandes figures nous semblent être encore présentes à la manière de fantômes, évidemment pour Derrida, qui a écrit « Spectre de Marx », cette présence fantomatique a quelque chose d'un peu ironique. Plus sérieusement, le problème essentiel pour comprendre la vie intellectuelle française aujourd'hui, c'est de comprendre d'abord le poids qu'occupe cette période de référence. Dans un rapport remis en 2016 au ministre de l'Enseignement supérieur, les chercheurs Michel Wiewiórka et Pierre Moret écrivent, je cite, « Dans les années 1960 et 1970, les sciences humaines et sociales françaises, les SHS, rayonnaient, faisant de notre pays le cœur d'une vie intellectuelle planétaire. » Et
les auteurs de citer différents noms, Jacques Le Goff, François Furet, Emmanuel Leroy-Ladurie, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Alain Tourret, etc., etc. Vous sentez que ce texte récent est traversé par une sorte de complexe d'infériorité, comme si nous n'étions pas à la hauteur de ce passé glorieux. Cette image paternelle et un peu écrasante, elle explique plusieurs choses dans la réception contemporaine de la vie intellectuelle française. Elle explique d'abord l'importance essentielle des publications des grands auteurs du patrimoine. Je veux dire que les auteurs les plus traduits aujourd'hui, les auteurs qui font l'objet de nouvelles traductions aujourd'hui, sont encore Michel Foucault, dont nous parlerons avec Patrice Maniglier, professeur Patrice Maniglier ici présent ce soir, Jacques Derrida ou Pierre Bourdieu. Autrement dit, le passé continue d'alimenter la vie éditoriale, la vie de l'édition des textes français en France et à l'étranger, surtout comme lorsque, avec Michel Foucault, de nouveaux textes paraissent régulièrement, ce qui bien entendu entretient cette dynamique. Ensuite, alors, j'ai pris là deux exemples qui ne sont pas japonais, qui sont la traduction des textes vers l'anglais, d'une part, la traduction des textes en Argentine, d'autre part, l'Argentine en Amérique du Sud, qui est un grand pays de traduction des sciences humaines françaises. Bien, vous voyez que dans ces tableaux qui datent de 2014, les premiers noms qui apparaissent sont soit des noms d'auteurs des années 1970, comme Michel Foucault, soit les noms de leurs disciples ou de leurs continuateurs, c'est-à-dire de ceux qui s'installent encore dans une position assez proche de celle des grands auteurs, je pense à Alain Badiou, ou qui ont été les disciples de ces auteurs, les élèves de ces auteurs, je pense à Jean-Luc Nancy, ou comme des continuateurs directs en Argentine, Jacques-Alain Miller, éditeur des séminaires de Jacques Lacan. Donc, c'est l'importance de cette génération maintenant disparue, dont la dernière figure était peut-être Gérard Genette, qui est mort voici une dizaine de jours. L'importance de cette génération se transmet à leurs successeurs directs, qui ont un poids éditorial assez considérable. Je ne veux pas dire que leurs travaux ne sont pas importants, mais je dis que leur succès tient aussi à cela. Enfin, je crois que cette image de la génération des années 1960-1980, cette image définit ce qu'on pourrait appeler un horizon d'attente à l'égard de ce que doit être un intellectuel français. Une certaine image de ce que c'est qu'un intellectuel français. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel français ? C'est finalement un auteur avec un nom d'auteur. Et c'est un problème aujourd'hui car beaucoup d'écritures sont des écritures collectives, je vais y revenir plus tard, mais on s'attend à des auteurs comme un auteur de littérature ou comme un artiste. On attend un auteur qui traverse l'ensemble des champs de la réflexion. Prenons Michel Foucault, depuis la littérature jusqu'à la politique, en passant par la philosophie des sciences, qui ont donc une œuvre totale. Et enfin, troisième caractéristique de cette image, des auteurs qui ont un rapport, ont une intervention dans l'espace public, qui sont à même de dépasser le champ académique pour intervenir dans les grands débats du monde. Au fond, un intellectuel français, c'est cela, une signature, une œuvre totale
et une capacité d'intervention, façon de sortir de son université pour s'adresser au public. C'est aussi, j'en aurais fini avec ce tableau, du passé, mais de l'image du passé dans le présent. C'est aussi un auteur qui vend des livres. Là, au fond, cet âge d'or de la pensée française, c'est aussi un âge d'or de l'édition de sciences humaines françaises. La chercheuse Sophie Barlehay décrivait ainsi, en 2004, la période des années 60-70, je cite, « Plusieurs dizaines de milliers de personnes achètent alors les textes de Louis Althusser, de Lucien Febvre, Fernand Braudel, de Roland Barthes, de Pierre Bourdieu. Triste Tropique, de Lévi-Strauss, publié en 1955, connaît un tel succès qu'il est évoqué pour le prix Goncourt. Surveiller et punir est vendu à plus de 80 000 exemplaires. Les problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste à 20 000. Voilà qui fait rêver à la fois les auteurs et leurs éditeurs. La difficulté, c'est un passé dont nous sommes, à tort ou à raison, fiers, mais c'est évidemment une image qu'il faut essayer de décaler, d'écarter un peu pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, nous risquons de lire le présent dans la nostalgie du passé. Et ça n'est pas une bonne manière de voir le présent que de le comparer perpétuellement au passé. Comme dit le poète Henri Michaux, les enfants que j'ai eus ne ressemblaient pas à leur père. Je crois que c'est un peu la même chose dans la pensée française contemporaine. Il faut commencer par souligner quelques faits très contemporains. D'abord, souligner que la recherche française contemporaine en sciences humaines et sociales fait l'objet d'une reconnaissance internationale importante, à la fois au plan académique et au plan éditorial. C'est pour ça que j'ai mis ici deux économistes, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, et Thomas Piketty, auteur d'un livre, Le Capital au XXIe siècle, qui a connu un succès mondial très considérable, avec d'ailleurs entre les deux, une forme de tension à la fois intellectuelle et politique. Ils ne pratiquent pas la même science économique, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose en économie, mais aussi une tension entre quelqu'un qui se revendique d'abord de l'université et de la recherche internationale et quelqu'un, Thomas Piketty, qui revendique l'appartenance de l'économie aux sciences sociales. La tension entre les deux, elle est à la fois conceptuelle, elle est épistémologique, qu'est-ce que l'économie, et elle est aussi éditoriale ou pas, parce que l'un publie des articles et l'autre publie des livres. Ah, évidemment, plutôt des articles et plutôt des livres, mais il y a aussi une différence à ce niveau. Donc, une reconnaissance internationale contemporaine, à la fois académique et éditoriale, de belles interventions polémiques des sciences sociales dans l'espace public, cela existe encore. Jean-Paul Sartre n'est plus là pour monter sur un tonneau devant l'usine de Billancourt, pour reprendre une image célèbre de 1968, mais l'année 2017 a été marquée en France par la publication de ce livre, L'histoire mondiale de la France, livre coordonné par Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, et faisant intervenir dans ce livre une centaine d'auteurs, 122 historiens exactement. Livre qui s'est vendu à 110 000 exemplaires, donc connaissant un succès très considérable, et qui a connu des critiques très vives de la part d'une série d'essayistes, d'historiens, je pense à Alain Finkielkraut, à Pierre Nora, ou de pamphlétaires comme Éric Zemmour, qui ont reproché
la vision que ce livre proposait de l'identité française. Donc l'intervention des sciences sociales dans l'espace public n'a pas disparu, mais, j'y reviendrai tout à l'heure, il est très significatif que ce livre, même s'il est coordonné par un historien qui est un auteur, ce livre est une publication collective. Ce passage au collectif est sans doute un des traits importants de l'édition française en sciences sociales aujourd'hui. Donc, il ne faut pas décrire une disparition, mais une transformation. Une transformation de la pensée française qui voit certains de ses traits fondamentaux conservés, mais dans un cadre renouvelé, par exemple, du point de vue des moyens de diffusion. Un bon exemple pourrait être cet article. Cet article publié sur Internet, dans la revue qui s'appelle La Vie des Idées. La Vie des Idées est une publication française en ligne qui a été mise en place par Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, pour rendre compte des publications contemporaines et des débats contemporains en sciences sociales. Donc ce site fait partie, il y en a plusieurs, je le détaillerai, fait partie des sites qui informent régulièrement le public sur les sciences sociales aujourd'hui en France et les sciences sociales dans le monde d'ailleurs. Ils rendent compte aussi des publications étrangères. Bien, sur ce site a été publié ce texte de deux chercheurs, Olivier Filleul et Fabien Jobard, texte intitulé « Un splendide isolement » et consacré au comportement de la police française, comparé aux politiques de maintien de l'ordre de la police allemande. Ce texte a été publié au moment où des manifestations importantes avaient lieu en France et où un débat avait lieu sur le comportement de la police pendant ces manifestations. Le texte a connu plusieurs dizaines de milliers de lectures, plusieurs milliers de partages sur Twitter, Facebook, etc. Autrement dit, connexion maintenue entre les sciences sociales contemporaines, les deux chercheurs sont des politistes, des spécialistes de sciences politiques, et le débat public. Mais connexion renouvelée dans ses formes, Internet, et dans le style de science aussi. Car nos deux chercheurs ne sont pas des penseurs critiques, ce sont des chercheurs essentiellement descriptifs, qui décrivent de manière comparée deux types de politiques de maintien de l'ordre. Cette importance, c'est l'une des transformations les plus importantes de la pensée française contemporaine, le passage, la transition d'une pensée critique à une pensée descriptive qui n'est pas sans effet critique, qui a des effets critiques, mais qui passe par une description ou une redescription positive, empirique, de la réalité sociale, par exemple. Nouvelle recherche, nouvelle diffusion, mais lien maintenu entre l'actualité sociale et l'actualité intellectuelle. Alors, pour rendre compte, pour essayer de comprendre ce paysage, cette mutation, je voudrais vous proposer de procéder en deux temps. Dans un premier temps, peut-être, vous indiquer les raisons qui expliquent, à mon avis, la mutation de la pensée française. Je pense que la mutation profonde du paysage intellectuel français est liée à quatre raisons précises, qui sont institutionnelles, qui sont épistémologiques, et qui sont des raisons globales. Donc, essayez d'identifier les raisons du changement. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter les stratégies mises en œuvre par les chercheurs et par les éditeurs pour répondre à ce changement. On dit les causes d'une mutation d'une part,
les stratégies d'adaptation d'autre part. Ce seront les deux temps de mon propos. 4 défis, 6 stratégies pour y répondre. Dernière précision avant de clore cette longue introduction. Ce dont je parle ici, c'est de l'intersection entre les sciences sociales, la recherche et l'édition. Je le précise parce que l'édition de livres de sciences sociales n'est pas toute la recherche en sciences sociales. Certains auteurs dont je vais parler sont des auteurs importants pour l'édition française de sciences sociales aujourd'hui, philosophie et de sciences sociales aujourd'hui. Je suis persuadé que les chercheurs académiques français présents dans la salle vont soupirer en disant que ce ne sont pas forcément des chercheurs sérieux, ce ne sont pas eux les plus novateurs dans le champ de la recherche. Et je crois qu'il faut bien distinguer, bien voir que le regroupement entre le monde de la recherche et le monde de l'édition dessine une zone précise. Bon, je m'excuse par avance pour les limites de mon propos. Je ne traiterai pas de toutes les sciences sociales contemporaines, ce serait impossible, mais de la manière dont elles trouvent un écho dans le monde de l'édition. Cette précaution étant prise, passons à l'analyse de 4 défis pour la pensée française contemporaine, pour son espace, sa présence dans l'espace public. Il me semble, pour l'indiquer vite, que la pensée française est, comme la pensée globale, confrontée à une internationalisation des normes de la recherche, à une spécialisation accrue des disciplines, à une transformation des pratiques de lecture et d'écriture qui mettent le livre en question, qui posent problème pour le livre. Enfin, à la question de ce qu'on pourrait appeler le magistère intellectuel, la capacité à s'adresser au grand public depuis l'université, avec le risque, je le montrerai, d'une sorte de clivage à cet endroit. Voici Alors, on va passer assez vite parce que on préfère les solutions aux problèmes. Et je préfère m'attarder sur les réponses et les adaptations que sur les problèmes, mais il faut dire un mot des problèmes. Et d'abord, le premier, la question de l'internationalisation des normes de la recherche. Je citais tout à l'heure un rapport important, rédigé en 2016, dont le titre est « Les sciences humaines et sociales françaises à l'échelle de l'Europe et du monde ». Vous avez ici l'un des auteurs de ce rapport, Michel Wieborka, qui est par ailleurs président de la Fondation de la Maison des Sciences Humaines. Michel Wieborka notait qu'il y a un décalage culturel entre la recherche française, la pratique de la recherche en sciences sociales en France, et les normes qui organisent le financement et la conduite des travaux académiques. Note par exemple que le succès des chercheurs français au programme de financement internationaux et européens est très élevé, mais les candidatures sont très rares. Autrement dit, quand les chercheurs déposent un projet dans l'European Research Council, ce projet est souvent couronné de succès, encore faut-il qu'ils le déposent. Or, les auteurs du rapport se font jour d'une série de réticences. C'est-à-dire réticences vis-à-vis de l'obligation d'en passer par des appels d'offres plutôt que par une recherche sur financement public. Réticence à l'égard des attendus ou des axes de recherche
prédéfini par ces appels d'offres. Ce qui est paradoxal parce que pour le European Research Council, il n'y a pas d'axe prédéfini, c'est vraiment une définition depuis les travaux de recherche. Et une réticence vis-à-vis de la recherche collaborative et de l'organisation en équipe de chercheurs, avec le sentiment qu'au fond, co-signer des articles n'est pas forcément une bonne affaire, ni institutionnellement, ni du point de vue de l'autonomie de pensée du chercheur. Je ne sais pas si ce diagnostic est tout à fait fondé. J'ai tout de même le sentiment que l'internationalisation de la recherche met les penseurs français, les chercheurs français, face à une alternative compliquée. Soit s'intégrer dans les circuits de la recherche internationale, mais au risque d'une certaine banalisation. Je citais Jean Tirole tout à l'heure, l'économiste Jean Tirole, prix Nobel français de l'économie. Mais Jean Tirole est un chercheur français au sens de la nationalité, ne produit pas une recherche substantiellement différente dans son identité de celle produite par les chercheurs suédois, ou allemands, ou américains, ou japonais. Donc, au fond, une sorte d'orientation internationale des travaux, avec la question de savoir ce que devient la dimension française, entre guillemets, de la pensée, ou bien conserver son originalité, mais au risque d'une certaine marginalisation. La question, au fond, une des questions qui se pose à la recherche française aujourd'hui, c'est de préserver son originalité tout en entrant en dialogue avec les interlocuteurs internationaux, avec les orientations contemporaines de la recherche. On le voit du point de vue de l'édition, on le voit par exemple à travers tout le travail que des éditeurs français font de traduction de textes internationaux, par exemple du point de vue du féminisme américain. Il y a tout un travail, les éditions Cambourakis traduisent énormément de textes du féminisme américain, parce qu'ils pensent que c'est important conceptuellement de faire venir cette recherche dans le champ français. Ou inversement, et c'est une des dimensions, par exemple, de ce courant qu'on a appelé le réalisme spéculatif, avec des auteurs comme Quentin Mégason, qui consiste au fond à renouveler quelque chose de l'identité des French Studies ou de la French Philosophy, en lui donnant un contour novateur, mais en préservant d'une certaine façon sa singularité, et en tout cas en proposant une alternative à la philosophie analytique telle qu'elle est pratiquée dans les départements de philosophie américains. Je crois que la question de l'internationalisation est aujourd'hui une question pour la française. J'ai dit que j'allais vite sur ce point, je dois m'y tenir. Deuxième question, la spécialisation des disciplines. Tenterai de marquer que, de renvoyer ici, aux travaux importants du sociologue français Bernard Lahire, l'un des principaux représentants de la sociologie française contemporaine, et qui a publié un article important en 2012 sur la division scientifique du travail en sociologie. Et Lahire analyse la division de plus en plus poussée des études sociologiques en domaines et en sous-domaines, ce qui entraîne, selon lui, une certaine perte, parce que plus on découpe l'objet social, les phénomènes sociaux, et moins on est capable d'identifier les raisons ou les relations entre ces domaines différents. Au fond, la grande division contemporaine de la recherche, qui s'explique notamment par l'augmentation du nombre de chercheurs. Plus nous sommes de chercheurs, plus nous avons intérêt à nous mesurer les uns aux autres dans des cercles restreints. C'est en tout cas l'analyse que propose Lahire. Cette subdivision
entraîne des recherches plus précises, mais dans des espaces ou dans des périmètres plus limités. Cette dynamique globale pose un problème spécifique pour la pensée française. Parce que la pensée française, ce qu'on a appelé la French Theory, se caractérisait notamment par la transversalité entre les disciplines. Foucault se situe au fond entre l'histoire et la philosophie. Le structuralisme se veut un modèle, disons une approche théorique commune à des disciplines extrêmement différentes. Ou, pour prendre un autre exemple, la théorie des champs dans la sociologie de Pierre Bourdieu se veut applicable aux pratiques culturelles, à l'analyse d'un roman de Flaubert ou au fonctionnement du système scolaire. Donc cette transversalité qui était l'une des marques de la recherche française se voit en but avec une spécialisation plus forte. Troisièmement, je vais aller assez vite là-dessus, troisième défi, on lit différemment aujourd'hui, on écrit différemment aujourd'hui. On lit différemment parce qu'on lit sur Internet, et l'environnement global de la lecture, dans cet environnement global, le livre est l'un des éléments, et n'est peut-être plus une pièce centrale. J'ai mentionné ici, j'ai reproduit ici les pages d'accueil, les homepages, de deux sites importants en France qui recensent les articles et les revues. Ce sont les deux principaux sites qui agrègent les revues de sciences sociales, que sont kern.info et Open Edition, qui s'appelait avant revue.org. Bien, on lit la recherche en train de se faire sur ces plateformes, et du côté des chercheurs, on publie également davantage les articles, parce que dans la valorisation de sa carrière, la publication, même si le livre, j'y viendrai, demeure symboliquement très important, la valorisation des articles a un poids, et l'évaluation du nombre d'articles publiés a un poids qui est évidemment tout à fait considérable. Cette transformation change le périmètre de l'écriture et le périmètre éditorial avant tout. Dernier défi, dernier obstacle, celui du magistère intellectuel. C'est-à-dire au fond, ce que j'ai voulu faire en vous présentant les trois obstacles qui précèdent, c'est d'essayer d'expliquer que les penseurs français ne sont pas devenus massivement des partisans du déclin. On a beaucoup échangé dans le débat sur les orientations de la pensée française. Depuis quelques années, on a beaucoup l'impression que les auteurs qui vendent des livres, qui passent à la radio ou qui passent à la télévision, sont des défenseurs de la thèse du déclin. Au fond, d'une vision pessimiste de la société et de la culture, et d'une conception assez étroite, assez nationaliste, et traitant la question notamment des rapports avec l'islam en termes de choc des civilisations. On a l'impression que les penseurs qui ont de l'écho sont ces penseurs, par exemple, j'ai cité deux livres qui ont connu un succès de librairie remarquable, qui était le livre d'Alain Finkielkraut intitulé « L'identité malheureuse », et le livre de Éric Zemmour intitulé « Le suicide français ». Les Français ont beaucoup acheté un livre qui s'appelle « Le suicide français ». Ça relève pour moi d'un masochisme difficile à expliquer. Je crois que ce qui est important, là, on a beaucoup commenté ce fait, notamment l'historien britannique Udyr Hazarezing,
historien d'origine indienne qui a fait un livre intitulé « Ce pays qui aime les idées » à propos de la culture française, dont le dernier chapitre est consacré à cette pensée du déclin qui, pour l'historien, est aussi un déclin de la pensée. Au fond, ces penseurs tristes sont aussi des penseurs dont l'audience internationale se restreint, se réduit, parce qu'ils s'adressent essentiellement à la mélancolie nationale française. Je crois que si ces publications sont un symptôme, ça n'est pas le symptôme d'une dérive globale de la pensée française ou de la culture française, mais c'est un symptôme préoccupant, c'est le symptôme d'une distance de plus en plus grande entre, d'un côté, les chercheurs qui font l'actualité de la pensée, et de l'autre côté, des auteurs qui se revendiquent comme intellectuels, mais à l'extérieur de l'université, et parfois contre l'université. C'est-à-dire que ce qui est au fond le plus préoccupant, ce à quoi il faut réagir, et on va voir tout à l'heure plusieurs manières de réagir, c'est à la tendance de voir d'un côté des spécialistes qui s'adressent à leur pair, à d'autres spécialistes, et de l'autre, des polémistes qui s'adressent au grand public et qui se revendiquent parfois anti-universitaires. Au fond, l'une des tâches qui incombe à la pensée française contemporaine, ça n'est pas tant de redevenir optimiste, il y a des raisons d'être pessimiste dans le monde aujourd'hui, c'est de renouer le lien entre, de renforcer le lien entre l'actualité de la recherche et l'actualité du débat public. C'est précisément sur ce point, c'est là-dessus avant tout que je voudrais m'arrêter cet après-midi, qu'un certain nombre de stratégies me paraissent lisibles dans la vie éditoriale française. Un certain nombre de stratégies, ce que j'ai appelé des stratégies pour faire vivre les idées, mais il faudrait dire pour faire vivre les livres et les idées. Autrement dit, pour concilier l'intérêt de l'éditeur et celui du débat. Alors, j'ai nommé ici 6 stratégies. On va les détailler, si vous le voulez bien, une par une. Et j'essaierai d'associer à chacune de ces stratégies un certain nombre de livres. Je suis parti des 50 publications qui me paraissent importantes. Enfin, importantes. Évidemment, avec le risque de vexer immédiatement tous ceux qui n'y seraient pas. Mais des publications qui sont marquantes. Évidemment, ma liste n'est pas exhaustive, mais l'idée est de trouver des cases, des grandes catégories à l'intérieur desquelles des textes viennent de s'inscrire. Je précise, Sarah Vandy le disait tout à l'heure, que la liste des références que je vais proposer sera disponible ensuite par mail, donc ne vous attachez pas trop à les noter au vol. C'est plutôt le panorama qui, à mon avis, est important. Premier point, donner des repères. Je crois que la première chose, c'est que le renforcement de la publication par article et l'émergence du numérique, la publication numérique, ont pour effet de multiplier le nombre de textes, le nombre de productions. Et comme dans beaucoup de domaines, comme dans la musique par exemple, le problème est celui du choix et de l'orientation. Aujourd'hui, vous le savez, la question n'est plus celle de l'accès aux ressources, mais de l'accès aux ressources pertinentes, autrement dit, de l'orientation, de la lutte contre ce qu'on appelle en français
jeu de mots est intraduisible, pardon pour les traducteurs, l'infobésité. C'est un mot avec information et obésité. On a trop d'informations, on est trop gros, l'information est trop grosse, et donc il faut essayer de sélectionner les informations. Quelques mots, quelques indications sur les moyens qui permettent aujourd'hui de le faire dans l'espace intellectuel français. D'abord, je l'ai déjà mentionné, quelques sites qui font un travail de curation, vraiment de sélection, de mise en avant. J'ai parlé tout à l'heure de la Vie des idées qui fête ses 10 ans, qui est le portail mis en place par Pierre Rosanvallon à partir du Collège de France. On pourrait également citer le site Non-Fiction, qui fait le même type de travail, c'est-à-dire au fond, qui thématise, vous voyez, cité, espace, temps, esprit, lettre, qui thématise des rubriques pour donner accès à des comptes rendus de livres et à des essais. L'avantage complémentaire de la Vie des idées, c'est qu'ils produisent, je vous recommande ces textes, de petits recueils, de tout petits livres, avec 5 articles qui font l'état d'une question sur une thématique. Vous voyez, la valeur de l'art contemporain, le retour des épidémies, les drogues et le droit, peuple et populisme, qui font un état de la question en quelques articles. Donc ce sont des ouvrages de référence qui sont tout à fait pratiques pour accéder à une question. On pourrait également citer l'apparition d'une presse d'idées, ou la réapparition d'une presse d'idées. Des bonnes nouvelles en France, ces derniers temps, c'est que des publications, des magazines, mais aussi des publications en ligne, comme celle-ci, AOC, c'est un jeu de mots parce que AOC, en France, c'est le label qu'on met sur les vins ou sur les fromages, pour dire qu'ils sont bons, que ce sont de bons vins ou de bons fromages. Ici, ça veut dire analyse, opinion, critique. Ce site propose une fois par jour, enfin, chaque jour, un texte d'analyse, un texte d'opinion et une critique littéraire ou cinématographique, etc., qui font intervenir des chercheurs en sciences sociales. Voir réapparaître, on pourrait citer d'autres exemples, le nouveau magazine littéraire, par exemple, ou un nouveau supplément du magazine Le Point, qui, au fond, croise la presse d'opinion. Ce sont souvent des sites ou des magazines assez engagés politiquement, et le souci de rendre compte de l'actualité de la pensée. Ça, c'est un autre type de publication. Enfin, ce qui est assez intéressant aussi, c'est l'apparition de portails thématiques par discipline qui sont animés par les chercheurs eux-mêmes et qui sont à la fois une manière de mettre en commun leurs travaux, mais aussi de les diffuser. C'est le cas, par exemple, du site Politica, le politique à l'épreuve des sciences sociales, qui est un site consacré aux questions politiques, et qui est porté autour de Sciences Po Paris, qui réunit des politistes, des sociologues, etc., sur les questions politiques. On pourrait citer aussi le portail qui va s'appeler Entre-temps, que Patrick Boucheron et son équipe sont en train de mettre en place au Collège de France sur l'histoire. Donc, les historiens parlent de, enfin, réunissent ce qui circule sur Internet autour de l'histoire. Ils vont mettre des vidéos YouTube, ils vont mettre des comptes rendus de livres, des essais, des débats, et faire tout ce travail de curation pour filtrer Internet sur cette question de la thématique. Ça, ce sont des outils qui sont, pour celui qui veut s'intéresser aux sciences sociales françaises, des outils très utiles et quotidiens. Deuxième stratégie, construire des objets transverses. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des principaux problèmes, défis, de la pensée et de la recherche contemporaine, c'est la division des disciplines. C'est la multiplication des divisions disciplines. Car il est frappant, à mon avis, de voir apparaître, à la fois au niveau de la recherche d'ailleurs, pour évoquer cette dimension dans la politique de recherche française, à travers
des instituts de convergence ou au travers de la politique de l'Agence nationale de la recherche, mais dans le monde éditorial aussi, l'idée est de trouver des objets qui vont réunir des disciplines différentes. Autrement dit, là où l'union, l'unité ne se fait plus par la théorie, elle se fait par l'objet. Je voudrais mentionner trois types d'objets qui comptent dans le paysage éditorial français. Le premier, c'est l'environnement. C'est les questions climatiques. Avec, bien entendu, la figure de proue principale qui est Bruno Latour. Bruno Latour qui non seulement est un chercheur éminent sur les questions, sur les enjeux climatiques, mais qui a théorisé ce décloisonnement des disciplines. Cette nécessité, face à l'urgence climatique, de faire exploser la division du monde entre sciences sociales et sciences dures. Mais l'environnement va également donner lieu à des travaux de philosophie, comme ceux d'Émilie H., à des travaux de géographie, les travaux du géographe Michel Dussault, qui théorise la notion de monde. Disons qu'au fond, nous vivons dans un monde depuis très peu de temps, parce que l'interconnexion de l'ensemble des lieux du monde, des espaces du monde, est un phénomène géographiquement nouveau, et qui va avec l'urbanisation du monde. La question de la ville est également très importante. Mais on assiste aussi, dans l'édition française, à une apparition, à la montée en force, de travaux d'histoire environnementale. C'est-à-dire d'historiens qui vont s'intéresser à l'histoire des pollutions, par exemple. François Jarige a publié « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'ère industrielle ». Ou encore, je l'ai mentionné ici, Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil qui retracent l'histoire du concept d'anthropocène. Donc l'environnement est un objet pour les philosophes, pour les géographes, pour les historiens, etc. Une cristallisation de livres vont se retrouver autour de cet objet. Autre objet transversal, les migrations. Migration, enjeu majeur de la politique française contemporaine, du débat public français contemporain. L'actualité française a été marquée, voici quelques temps, par l'élection de François Héran, qui est démographe et spécialiste des migrations au Collège de France, de manière de marquer l'importance de cet objet pour la recherche et pour le débat. Et François Héran va diriger un institut interdisciplinaire sur les migrations. Et là encore, on va trouver des ouvrages de démographie, François Héran, avec les migrations. D'anthropologie, Michel Agier publie Un monde de camp. De droit, Claire Rodier écrit Migrants et réfugiés. De sciences politiques, voire de sociologie. Beau livre récent de la sociologue Isabelle Coutant, qui s'appelle « Les migrants en bas de chez soi », qui analyse l'attitude des riverains face au campement de réfugiés, migrants, dormant littéralement dans la rue, dans leur quartier. Qu'est-ce que ça change à la vie d'un quartier de voir le monde arriver au pied de son immeuble? Quelle transformation ça produit dans les rapports sociaux? Puis, cette question des frontières, plus largement, elle va... Cette prise en compte de la question des frontières, elle va faire émerger des travaux importants, donner un écho qu'il n'aurait peut-être pas eu à des travaux importants, notamment dans le champ historiographique, dans le champ historique. Je pense à deux ouvrages assez récents qui ont fait date. Un ouvrage de l'historien Romain Bertrand, qui s'appelle « L'histoire à parts égales », qui est une histoire de l'arrivée des Hollandais, des navires hollandais, en Indonésie et à Java, mais une histoire construite depuis les archives javanaises et indonésiennes. Autrement dit, en s'intéressant, le corpus est constitué par ces archives et qui montre notamment que ça n'était pas un si grand événement que ça.
le travail de Romain Bertrand consiste, dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire globale, à considérer que l'histoire des rencontres doit se construire à partir des documents propres aux deux parties de la rencontre et à analyser les effets historiographiques de ce changement de corpus. On pourrait citer aussi, dans le même ordre d'idées, l'ouvrage de François-Xavier Fauvel, qui s'appelle « Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain ». Là aussi, la question est non seulement de faire une histoire de l'Afrique, mais de se demander ce que peut être une histoire dont manquent les documents autochtones, dont manque le corpus écrit qui viendrait des sociétés elles-mêmes, donc une histoire racontée essentiellement depuis les bords de ce continent, dont pourtant on peut connaître l'histoire. Là, ce sont des textes qui ont eu une importance dans le champ historiographique assez grande dans les dernières années. Autre objet transversal, Sarah Vandy est chargée de crier quand elle trouvera que je suis définitivement trop long et que j'épuise votre patience. Autre objet transversal, celui-ci n'est pas nouveau, la démocratie. Il y a, dans la vie intellectuelle française, une réflexion de longue durée sur le modèle démocratique et sur ses limites. On peut penser en philosophie aux travaux de Claude Lefort, dans les années 70-80, puis à une réflexion sur le caractère fragile, voire ambigu, de la revendication démocratique chez des auteurs comme Marcel Gauchet, Pierre Manon, Bernard Manin ou Pierre Rosenthal. La réflexion sur la démocratie n'est pas nouvelle dans la pensée française. Mais, ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion évolue au rythme des crises. Et je crois, il me semble percevoir, à regarder un petit peu ce qui se publie, que 4 crises marquent l'actualité de la réflexion sur la démocratie aujourd'hui et se traduisent dans les livres. Première crise, la crise de l'expansion démocratique. Cette crise de l'idée que la démocratie serait un modèle universel ou universalisable, au fond, la crise de l'ambition néoconservatrice américaine des années 2000. Cette crise va entraîner, correspondre, à une série de travaux qui interrogent les limites du modèle démocratique, qui au fond, mettent en avant son étrangeté. Disent que la démocratie n'est pas une évidence, c'est un régime finalement assez spécial, assez étrange. On trouve des travaux de ce genre en philosophie. Florent Guénard, la démocratie universelle. On trouve aussi des travaux de ce genre en histoire. Je pense à un livre de l'historien Paulin Ismar, La démocratie contre les experts, qui est un texte sur le statut des esclaves publics en Grèce ancienne. C'est assez précis, mais Ismar montre avec beaucoup de précision et beaucoup d'humour que les grands ingénieurs, les grands technocrates, dans la Grèce ancienne, à Athènes, c'était des esclaves. Que donc la question du pouvoir technocratique, du pouvoir de la technique, se trouve complètement transformée si on regarde la méfiance que les Grecs avaient envers leurs techniciens, leurs technocrates, leurs techniciens politiques. Voilà un texte assez frappant sur l'étrangeté du modèle démocratique. Deuxième crise, au fond, le renforcement de l'autoritarisme. Le retour, c'est un peu lié, le retour à l'intérieur de l'horizon global, de l'horizon géopolitique, de figures de l'autorité, de figures de la puissance, de chefs d'État à poigne. Je ne citerai pas de nom, il y en a beaucoup. Depuis l'Inde, la Russie, les États-Unis, la figure de l'homme fort a retrouvé une belle actualité.
eh bien, on va trouver des textes qui s'intéressent à la question de l'exercice de la force. Je pense au livre en philosophie de Jean-Claude Monod, qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Mais aussi, en anthropologie, aux travaux de Didier Fassin sur la police, la force de l'ordre, ou sur la prison, punir une passion contemporaine. Qu'en est-il de l'exercice de la force à l'intérieur ou à la tête des démocraties ? Voilà, à mon avis, un lieu de production de textes aujourd'hui. Troisième crise, la crise de la social-démocratie. Le fait que la social-démocratie aujourd'hui, qui avait donné lieu à de belles publications, Pierre Rosanvallon, dont je parlais tout à l'heure, a créé une grande collection qui s'appelle La République des idées, aux éditions du Seuil, qui vise à documenter et nourrir le débat social-démocrate. Il est frappant de voir que Pierre Rosanvallon a accueilli récemment dans cette collection l'ouvrage d'un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, ouvrage qui s'appelle Radicaliser la démocratie, qui est plutôt un adversaire, qui est plutôt un partisan d'une démocratie radicale, en tout cas n'est pas du tout sur les mêmes options politiques que quelqu'un comme Pierre Rosanvallon. Va donc avoir, autour de ce motif de la crise de la social-démocratie, des travaux qui interrogent les inégalités. Alors, on ne sait pas cette slide-là, c'est celle-ci, voilà. Je pense à François Dubet, la préférence pour l'inégalité. Au fond, dans la société, eh bien, la revendication d'égalité n'est plus si forte que cela. Donc des travaux qui portent sur les questions d'inégalité, territoriale, ethnique, sociale, etc. Des travaux qui traitent de la contestation, des formes de contestation qui ne sont plus, qui ne passent plus par l'intermédiaire de la social-démocratie. Je pense à un livre co-signé par le sociologue Albert Augier et la philosophe Sandra Logier, « Pourquoi désobéir en démocratie ?» sur la désobéissance civile. Donc ce motif du conflit, si vous voulez, à l'intérieur de l'espace démocratique me semble un motif intéressant, jusqu'à la question du populisme, par exemple, bon, avec les travaux de Chantal Mouffe ou les textes d'Éric Fassin ou de Gérard Bras sur l'opportunité du populisme dans l'espace politique contemporain. Enfin, dernière crise, j'ai dit l'universalité du modèle démocratique, l'exercice du pouvoir, la social-démocratie, évidemment la sécurité et les enjeux de terrorisme, qui ont donné lieu à des textes extrêmement nombreux et importants, et très diffusés également. On peut évoquer ici Gilles Kepel, le journaliste David Thompson, qui ne fait pas partie des sciences sociales, mais dont l'ouvrage, je parlais récemment avec un ami sociologue, est une mine, parce qu'il a fait des entretiens au long cours avec des Français partis pour le djihad en Syrie et revenus. Au fond, c'est à peu près le seul à avoir documenté cette parole en première personne, de manière directe. Je citais aussi l'ouvrage important du juriste et philosophe Antoine Garapon, avec Michael Rosenfeld, sur les défis démocratiques posés par le terrorisme. Il me semble qu'il y a là, dans ce quatrième point, quelque chose comme un nid de textes tout à fait riche et important. Donc, construire des objets transversaux, troisième stratégie possible, renouveler les croisements disciplinaires. Autrement dit, il ne s'agit plus aujourd'hui, à mon sens, de retrouver une perspective globale qui viendrait prendre toutes les sciences dans le même modèle, mais de croiser différemment les disciplines scientifiques. Et les livres les plus novateurs, mais aussi, à l'occasion, les plus percutants, sont des livres qui se proposent de déplacer le jeu, de coupler autrement les recherches en sciences, par exemple entre sciences humaines et sciences dures ou sciences de la nature,
Je pense à ces travaux qui traitent notamment des neurosciences, du rapport aux neurosciences. Le sociologue Bernard Lahir, qui se propose de faire une interprétation sociologique des rêves, vient donc sur le terrain de Freud, qui amène la sociologie sur le terrain de Freud, et qui se confronte à cet égard aux neurosciences, et aux enseignements des neurosciences pour l'interprétation du rêve. Catherine Malabou, en philosophie, qui interroge le rapport à l'intelligence artificielle. Catherine Malabou est l'une des philosophes qui a le plus renouvelé le rapport aux sciences du cerveau en philosophie dans la période récente. Ou Thierry Hoquet avec Cyborg Philosophie, que j'ai cité également ici, où la question, Thierry Hoquet fait intervenir un savoir technologique, fait intervenir un savoir biologique également, dans le cadre d'une réflexion en philosophie. Donc, le statut du rapport, la question du rapport des sciences sociales aux sciences dures, question qui peut paraître passablement technique, est un lieu de production d'ouvrages assez fécond et assez novateur. Autre croisement, compliqué aujourd'hui, la question de savoir si l'économie est une science sociale. Est-ce que l'économie est encore ou non une partie de la sociologie? Est-elle une discipline? Est-ce que la mathématisation en fait une discipline autonome? Question posée depuis longtemps dans la foulée des travaux de Pierre Bourdieu, je pense aux travaux de Frédéric Le Baron par exemple, qui avait travaillé sur la croyance économique. On croit en l'économie parce qu'elle est une discipline scientifique. C'est un champ qui a été traversé ces derniers temps par des auteurs comme Luc Boltanski, l'un des principales figures de la sociologie française, qui reprend dans son dernier ouvrage avec Arnaud Esquer la question de la valeur, même une question économiquement assez considérable, en redéfinissant la formation des prix au travers de l'observation du comportement des collectionneurs. En interrogeant le comportement des collectionneurs et des collections, évidemment avec des enjeux contemporain sur la spéculation sur l'art, sur le marché de l'art, etc. Boltanski et Esquer se proposent de réinsérer la question économique du prix dans la réflexion sociologique sur les valeurs que Boltanski a longuement nourri et renouvelé ces dernières décennies. On peut penser aussi à Frédéric Lordon, alors lui qui circule, qui gambade entre économie et philosophie, puisqu'il se propose de croiser les questions économiques avec la philosophie de Spinoza. Il va chercher l'œuvre de Spinoza et la conception du désir chez Spinoza pour interroger le comportement des acteurs économiques. J'ai cité également Pierre Dardot et Christian Laval ici, qui sont les principaux, parmi les principaux contributeurs français à la réflexion sur le néolibéralisme. C'est-à-dire, au fond, sur l'articulation entre l'économie libérale et le projet politique néolibéral, à travers d'ouvrages comme La Nouvelle Raison du Monde, puis celui-ci qui a connu un beau succès de librairie, qui s'appelle Commun, qui réintègre, au fond, à la vieille question du communisme, la question économique du commun et des biens communs, telle qu'on la trouve chez Lénore Holmström, par exemple, en économie. Qu'est-ce que l'économie des biens communs nous apprend sur le commun et l'être en commun? Voilà la question qui est là. Toujours au chapitre des croisements, un lieu de croisement important, à mon sens, dans l'écriture française aujourd'hui, c'est le lien entre littérature et sciences sociales. Non pas que, alors là c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu étrange, mais au fond, la critique littéraire comme telle, la poétique, telle que Gérard Genette avait pu la faire exister, Genette avait fait de la poétique une science majeure dans la pensée en sciences sociales, on ne peut pas dire que ce versant-là, en tout cas sur le versant éditorial, que la poétique se porte très bien. La collection fondée par Gérard Genette au Seuil, d'ailleurs,
a peu produit, n'est plus très active ces derniers temps. Mais on assiste par contre à une intégration de la question de l'écriture littéraire dans les travaux d'un certain nombre d'auteurs de sciences sociales de premier plan. La littérature à la fois comme mode d'écriture, d'une part, et c'est le cas chez un auteur comme Ivan Jablonka, qui après avoir écrit ce livre important et controversé aussi, hein, « L'histoire est une littérature contemporaine », interroge le statut littéraire de l'histoire, est allé de plus en plus loin du côté du roman, avec un livre comme « Laetitia ou la fin des hommes », qui a eu le prix Médicis, qui est donc reconnu comme une œuvre littéraire, à partir d'une position d'une enquête, d'investigation, d'historien proche de la micro-histoire. Donc, la littérature comme écriture possible pour les sciences sociales, on peut penser aussi au trio que forme Édouard Louis, romancier, auteur de « Pour en finir avec Eddie Bellegueule », Geoffroy de Laganerie, qui est sociologue, philosophe, et Didier Héribon, qui travaille vraiment à trois, et dans une espèce de jeu d'écho entre intervention sociale, écriture sociale, et philosophie ou sociologie. Une position assez discutée dans le champ des sociologues professionnels, mais qui ont une importance éditoriale considérable. Et puis, donc la littérature, comme, non seulement comme écriture des sciences sociales, mais comme inspiration pour la compréhension du monde contemporain. J'ai cité ici le petit livre de Marielle Massé, « Sidéré, considéré », qui propose d'aller chercher dans la littérature, dans les œuvres littéraires, une réflexion sur les ressources éthiques propres à nous permettre de faire face à la crise des migrants. C'est un petit livre, un tout petit livre, qui a eu un succès de librairie et un succès critique également tout à fait important. Donc on croise différents. Il nous reste trois stratégies à évoquer et un quart d'heure pour le faire. Raison de plus pour aller vite. Quatrième stratégie, quatrième lieu de transformation. Quel avenir inventer pour la pensée critique? Je crois que s'il y a une chose à laquelle la pensée française a été identifiée dans la période glorieuse des grands auteurs, c'est à l'exercice de la critique. Sociologie critique chez Pierre Bourdieu, déconstruction chez Jacques Derrida, archéologie et généalogie chez Michel Foucault, critique littéraire chez Roland Barthes, etc. Que faire, que devient le geste ou l'ambition critique dans la pensée contemporaine? Eh bien, je crois que on pourrait, de ce point de vue-là, si on voulait se repérer dans une librairie, si on va à Paris dans une librairie et qu'on cherche la critique, où est la critique? On se retrouve face à quatre genres de livres. Premier genre de livre, ceux qui, directement, de manière explicite, revendiquent une critique renouvelée. Renouvelée soit dans ses concepts, Luc Boltanski a écrit, de la critique, précis de sociologie de l'émancipation. On peut aussi penser aux travaux de Franck Fisbach ou d'Emmanuel Renaud, qui vont chercher la philosophie critique, la théorie critique de l'école de Francfort en Allemagne. Donc, théorie critique renouvelée dans ses concepts ou théorie critique renouvelée dans ses objets, dans ses territoires. J'ai mentionné ici deux auteurs et deux ouvrages importants. L'ouvrage d'Achille Mbembe, qui n'est pas un auteur français mais qui publie en français et en France, aux éditions de la Découverte. Achille Mbembe, qui est l'une des principales figures de la pensée post-coloniale, voire post-post-coloniale, parce qu'il tâche de sortir, de dépasser cette catégorie elle-même,
qui interroge au fond la critique à la lumière de l'expérience coloniale et de l'expérience des colonisés, des anciens colonisés. On pourrait citer d'autres auteurs ici. Donc la question post-coloniale et la question féministe que l'on pourrait ici rattacher à une auteure comme Elsa Dorlin, dans le livre « Se défendre, une philosophie de la violence » consacrée à la question des groupes d'autodéfense, à la fois dans les minorités noires et dans un certain nombre de groupes de femmes, comme réflexion sur le statut minoritaire et sur ce que les minorités permettent de penser sur la violence. On a une nouvelle génération d'auteurs féministes, pour citer Elsa Dorlin en philosophie, on pourrait citer Mélanie Gourarier, qui est venue, je crois, à la Maison franco-japonaise l'année dernière, l'année précédente, au travers de travaux sur le masculinisme contemporain, un livre assez extraordinaire, sur les cercles d'hommes qui se convainquent d'être vraiment des hommes. Bref, nouveau territoire de la critique. Tiens, une première pile de livres, la critique, oui, mais autrement ou sur d'autres objets. Deuxième pile de livres, que je rattacherai à celle-ci, avec prudence, car l'un de ses initiateurs est dans cette salle, c'est ce que j'appellerais le passage de la critique des mots à la redescription des choses. Parce qu'au fond, la pensée critique française s'est beaucoup articulée à la référence au discours, conditions culturelles, sociales, politiques, qui organisent nos discours sur le réel. Bien, j'ai le sentiment que on est passé aujourd'hui de cette critique des discours au retour ou à l'affirmation de la nécessité du retour à la description des choses, y compris des choses jugées inaccessibles à toute description, autrement dit à la métaphysique. C'est le sens, me semble-t-il, de la collection métaphysique des presses universitaires de France. Patrice Maniguillier est une des chevilles ouvrières. Et au travers de travaux comme ceux de l'auteur très connu aujourd'hui, comme Quentin Meillassou, ou comme Tristan Garcia, forme et objet, on a l'ambition de décrire à nouveau le monde. Mais non pas décrire le monde pour cesser d'avoir l'esprit critique, pour cesser de considérer la réalité de manière critique, mais parce que précisément cette description a des potentialités ou des effets sur notre discernement de la réalité. Au fond, pour lever les illusions qui s'attachent à la vision du réel, il faut décrire. Décrire les choses, c'est le cas en philosophie, il me frappe que le fait que cette ambition descriptive, on va la retrouver non seulement dans de grands livres spéculatifs, comme ceux de Quentin Meillassou ou ceux de Tristan Garcia, mais aussi dans des monographies assez accessibles. Je pense à la collection « Les grands mots » chez Autrement, ici, ou à certains ouvrages publiés dans la collection « Chants » qui se proposent de décrire la nuit, la description, marcher, courir, dans une ambition qui semble assez modeste initialement, donc proche de l'expérience, si vous voulez, une considération de l'expérience ordinaire, mais avec, à l'occasion, une ambition, c'est le cas par exemple du livre de Michael Fessel, La Nuit, une ambition de critique sociale assez forte. La thèse de Michael Fessel, c'est que il faut aujourd'hui défendre la différence entre la nuit et le jour, parce que l'ambition du capitalisme consiste à effacer la nuit, quand on le voit avec les lumières qui sont ouvertes en permanence, de manière à ce que nous ne puissions plus jamais dormir, plus jamais cesser de consommer, plus jamais cesser d'être ce que, sous le regard de la société. Donc, décrire. Décrire et redécrire.
Autrement dit, interroger les limites de notre les cadres de notre description. Le découpage des choses que nous voyons. De ce point de vue, le grand auteur, avec Bruno Latour que j'évoquais tout à l'heure, le grand auteur marquant dans la pensée française contemporaine, c'est à mon sens l'anthropologue Philippe Descola, qui propose dans ce livre « Par-delà nature et culture », qui peut être traduit au Japon, j'ignore si c'est le cas, d'interroger la distinction que nous faisons entre les humains et les non-humains. Quel genre de distinction est-ce que je fais entre une personne et une chose? Quel genre de continuité j'établis entre les deux ordres? Et cette distinction est-elle variable? Et Descola va montrer que selon les cultures, eh bien, nous ne faisons pas passer la limite entre humain et non-humain de la même manière. Non seulement cette thèse est importante en anthropologie, mais je crois qu'elle a été extrêmement agissante dans l'ensemble des secteurs de la pensée contemporaine. Pourquoi ? Ce qu'on va voir apparaître, je citerai simplement trois titres récents, quatre titres. Frédéric Keck, anthropologue, publie Un monde grippé sur la grippe aviaire, un livre d'anthropologie sur la réaction des sociétés face à la grippe aviaire. Et la question qu'il pose, très proche de Latour aussi, c'est est-ce que on peut faire du virus un acteur social? Est-ce qu'un virus est un acteur social? Oui, parce qu'il a une action extraordinaire sur les sociétés. Donc, tâchons de faire passer autrement la limite entre les virus et ceux qui les attrapent. Emanuele Coccia, chercheur italien qui enseigne en France et publie en France, a publié « La vie des plantes », une métaphysique du mélange. Et d'un coup, on va travailler en philosophie sur ce que c'est qu'une plante. Peut-être n'aurait-on pas eu cette idée avant le travail de Philippe Descola. Marc Alizard a publié récemment aux presses universitaires de France un beau livre qui s'appelle « Chien » sur... qui pose une question tout à fait effarante et intéressante. Pourquoi les chiens sont-ils heureux? Qu'est-ce qui explique que les chiens soient heureux? Mène à partir de cette question baroque une réflexion tout à fait étrange. Et voyez comment les choses se déplacent du point de vue critique. Je poursuis un instant sur la critique car c'est vraiment l'un des cœurs du problème à mon sens. Celui qui entrerait à Paris pour chercher la critique trouverait non seulement des auteurs postcoloniaux ou féministes, des auteurs qui décrivent de nouveau le monde, il trouverait aussi des textes qui se préoccupent de proposer des orientations normatives pour le présent, de redéfinir des orientations éthiques contemporaines. J'en ai cité ici deux, que sont Frédéric Worms, philosophe, professeur à l'École normale supérieure, à travers d'un livre comme « Revier », qui est au fond une réflexion sur le statut du soin. Worms est un spécialiste de la philosophie de Henri Bergson. Il est régulièrement intervenu au Japon, je crois. Et l'une des ambitions de Frédéric Worms, c'est de réintroduire, depuis une position, depuis une référence à la vie, des normes éthiques en réintégrant la perspective de ce qu'on appelle le care dans la pensée contemporaine. Je pourrais citer également, c'est pour ça que je le fais ici, Cynthia Fleury, qui réfléchit sur la valeur de l'individu dans le monde d'aujourd'hui. Vous remarquerez que ce livre est paru en collection blanche Gallimard, ce qui est encore une chose étrange, hein, une collection de littérature. On est vraiment entre l'essai et la littérature, dans un autre deux encore assez significatif. Mais on pourrait citer des livres beaucoup plus spéculatifs, beaucoup plus exigeants, celui de David Ravoin, par exemple, « Vivre ici, Spinoza, éthique locale ».
mon visiteur de librairie, s'il a trouvé ces trois piles de livres, ne serait pas étonné alors de trouver une quatrième pile. Une question qui me paraît préoccuper beaucoup les chercheurs contemporains, qui est la question de l'animal et de la condition d'animal. Au fond, le fait qu'il y ait une réflexion sur la distinction entre les humains et les non-humains, et le fait qu'on cherche des normes d'action, qu'on réfléchit sur les normes éthiques, conduit assez naturellement à mettre en avant cette question de la condition animale, non seulement parce qu'elle est en soi importante, mais parce qu'elle est un terrain d'expérimentation conceptuelle pour ces questions contemporaines. Et la question animale va trouver, à la fois dans la recherche et dans l'édition française, une importance tout à fait grande. J'ai cité ici la philosophe Florence Burka, Michael Bruckert, qui a fait paraître tout récemment un ouvrage de sociologie sur le statut des vaches sacrées en Inde, mais aussi un historien, Éric Baraté, Le point de vue animal, qui fait une histoire du point de vue des animaux. Il y a notamment des pages extraordinaires sur le statut des chevaux pendant la Première Guerre mondiale. Que voit-on du conflit mondial si on le considère du point de vue des chevaux? Et le point de vue animal s'introduit à l'intérieur d'une perspective, dans la considération des objets, si vous voulez, traditionnels de l'histoire. L'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est l'un des lieux classiques de la réflexion historique française. Voici pour la critique. On a encore le temps pour une cinquième stratégie, je dirais un mot de la sixième, pour le plaisir. La dernière chose qu'il faut, à mon avis, identifier dans l'édition française aujourd'hui, c'est cette question du collectif. Je l'ai dit tout à l'heure, en commençant, la French Theory, ce sont des noms d'auteurs. La recherche contemporaine, ce sont des dizaines d'auteurs. Ce sont des auteurs qui travaillent ensemble. Comment fait-on pour rendre public une recherche collective face à un lectorat qui attend des individus, des signatures, des plumes? Eh bien, première stratégie, on fait des collections. Il y a en France des collections qui sont fortement identifiés. J'ai pris une collection ici chez l'éditeur Michalon et puis des livres de l'édition de La Fabrique, dont, au fond, l'identité de collection tient lieu de signature. La collection Le Bien Commun chez Michalon produit des monographies sur les questions de droit en regard d'œuvres de philosophes de tous horizons. Qu'est-ce que Keynes, qu'est-ce que des auteurs comme Jacques Rancière ou Pierre Bayle peuvent nous dire du droit? Les auteurs de ces livres ne sont pas connus, forcément, mais la collection, elle, l'est, et nourrit une réflexion qui est continue. De même, aux éditions de La Fabrique, s'il y a quelques auteurs connus, voire très connus, Jacques Rancière, le grand auteur qui publie régulièrement, pas uniquement, mais régulièrement à La Fabrique, ou Grégoire Charayou. La Fabrique, c'est aussi un éditeur dont l'identité d'éditeur, marquée par une radicalité politique très forte, est presque première, plus importante que l'identité des auteurs qu'il va publier, parce qu'on sait que, allant à La Fabrique, on va trouver une perspective particulière sur les questions de notre temps. Comment fait-on pour publier à plusieurs des livres qui marquent? Deuxième stratégie, on publie des enquêtes collectives. On publie des enquêtes d'école. Je veux dire, un peu comme il y a l'école de Michel-Ange en peinture, eh bien, un professeur va réunir autour de lui son école, son laboratoire, ses chercheurs, pour lier une série de monographies à l'intérieur d'une perspective d'ensemble. On retrouve ces
ces textes, j'en ai cité deux ici, l'un sous la direction de Serge Pogam, l'autre sous la direction de Didier Fassin, qui sont des ouvrages qui cherchent à dégager une perspective globalisante, disons, mais depuis une série d'enquêtes monographiques extrêmement précises, dans l'idée que la succession de points de vue partiels va permettre de justifier, de rendre compte d'une perspective sociologique ou anthropologique d'ensemble. Mais je crois que si on n'a pas en tête cette importance de l'écriture collective, ce problème de la signature collective, on ne comprend pas non plus tous ces livres étranges qui sont des encyclopédies et en même temps des manifestes. Ça, c'est sans doute un des objets les plus curieux que la pensée et l'édition française récente ait produit. Ce sont de très gros volumes. Aujourd'hui, en France, on publie des livres très gros ou très petits. C'est une solution à la crise du livre. Soit des très gros objets, soit des très petits objets. Et de gros livres qui sont à la fois... qui obéissent à une triple logique. Une logique intellectuelle, témoignée d'une recherche avec de nombreux spécialistes. Une logique éditoriale. Ce sont souvent des commandes d'éditeurs qui veulent faire un livre qui va marquer, et une logique d'intervention dans le débat public, plus ou moins marquée. Par exemple, le vocabulaire européen des philosophies, sous la direction de Barbara Cassin, récemment élue à l'Académie française, ce qui est un désir qui m'échappe, mais je passe. Le vocabulaire européen des philosophies réunit des dizaines de philosophes pour définir Dasein, bien Kairos, etc. Rendre compte de termes qui ne se traduisent pas. C'est en même temps, ce livre est en même temps un manifeste pour la pluralité des langues. Barbara Cassin a pris des positions marquantes contre l'usage du Globish, en disant que la véritable langue de la pensée, c'est la traduction, et ce livre en est d'une certaine manière le reflet. Mais on pourrait évoquer aussi, tout aussi bien, des ouvrages beaucoup plus militants. Je pense au Dictionnaire de l'homophobie, publié sous la direction de Louis-Georges Thin, 76 contributeurs, ou à l'Encyclopédie critique du genre, coordonnée par Juliette Rennes, à la découverte, ce qui est une manière de faire intervenir, montrer comment la question, le motif du genre intervient dans la science contemporaine, ou encore l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, Europa, notre histoire, ouvrage de 1392 pages, coordonné par Étienne François, ou le rapport sur les inégalités mondiales que Thomas Piketty fait publier tous les ans, à partir de maintenant, qui sont à la fois, encore une fois, des collectifs militants, ou un militantisme pour faire reconnaître l'importance du collectif dans la recherche. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Il me manque une sixième catégorie, mais je voudrais qu'on laisse la place à la discussion. J'aurais voulu parler, si nous en avions le temps, des multiples manières du renouvellement qu'a la pensée, dans les manières qu'a la pensée d'exister dans l'espace public. Il aurait fallu parler, pour ce faire, de tous ces festivals, tous ces lieux d'intervention qui, un peu partout en France, aujourd'hui, existent et qui font entendre des philosophes, des historiens, parfois sous des formes complètement nouvelles, l'exposition Reset Modernity, coordonnée par Bruno Latour, l'exposition Soulèvement, coordonnée par Georges Didier Huberman, voire des mises en scène de la pensée. Je prendrai un seul exemple, celui-ci, le procès de la fiction. C'était à la mairie de Paris, dans la grande salle très officielle du Conseil de Paris,
à l'hiver dernier, en décembre dernier, la fiction était accusée de se mélanger avec la réalité. Et donc, il y avait un procès avec des avocats et des procureurs qui faisaient témoigner comme experts des critiques littéraires, des neurobiologistes, des spécialistes, des auteurs de littérature, des spécialistes de droit intellectuel, pour traiter la question du statut de la fiction dans le monde contemporain. Et sous la forme d'un véritable procès avec les avocats qui posaient des questions. Et un jury qui devait décider à la fin si la fiction était coupable. Et à la fois très original, il y avait un nom de fou, et ça permettait de poser un problème sous une forme très différente de la forme du colloque, par exemple, sous une forme assez excitante et assez nouvelle. Il y a un exemple dont je voudrais parler et qui me servira de conclusion, qui s'appelle « La nuit des idées ». Puisque la nuit des idées, qui a eu lieu à Tokyo déjà, et à Kyoto, deux fois. La nuit des idées, c'est une proposition française, elle émane de l'Institut français, pour organiser le même soir, la même nuit, partout dans le monde, des débats, des rencontres, des conférences, où puissent se rencontrer des historiens, français ou non, mais aussi des philosophes, des sociologues, etc., sous une forme novatrice et accessible au grand public. C'est une manière, au fond, l'un des principes de cette manifestation, c'est de prendre acte du caractère collectif de la recherche contemporaine. Que la recherche n'est plus le fait de 10 grands noms, qu'il y en a 100, qu'il y en a 1000, qu'ils soient français ou non, et de construire un événement choral, on parlerait d'un film choral, pour évoquer un film où de multiples personnages se croisent, qui puissent renouveler la discussion internationale des penseurs français avec leurs homologues français et étrangers. Voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. La nuit des idées est un événement particulièrement cher à mon cœur. Et je vous remercie de votre attention. Nous pouvons passer maintenant aux questions et à la discussion.